Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Donc les enfants corrigent la page 15. D'accord ? On corrige la page. Donc la première question. Qui nous a créé ? C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a créé, qui a tout donné. Qui a tout créé. C'est Allah azza wa jalla qui a tout créé. D'accord ? Allah il est al-Khaliq. Répétez al-Khaliq. Pourquoi nous devons aimer Allah tabaraka wa ta'ala ? Pourquoi on doit aimer Allah ? Oui, Riyad ? Très bien, puisque c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne toutes les choses dont nous avons besoin. C'est lui qui a créé toutes les bonnes choses pour nous. D'accord ? Qui nous a tout donné ? C'est Allah Azza wa Jal. Et personne d'autre en dehors de lui ne donne ce que l'on a besoin. Donc, nous devons adorer qui ? Qui adorons-nous ? Allah tabaraka wa ta'ala. Et comment on peut faire pour qu'Allah Azza wa Jal nous aime ? Comment on peut faire pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous aime ? T'as entendu la question ? Oui. C'est quoi la question ? Pourquoi Allah nous aime ? Comment on peut faire pour qu'Allah il nous aime? Parce que le plus important c'est qu'Allah il nous aime. Hein? Comment on peut faire? Oui? En lui obéissant. Oui, Zahra? Très bien, en lui obéissant. On obéit à Allah. Là-bas aussi ça écoute pas trop, hein? Hein? En obéissant à Allah Azza wa Jal, en faisant tout ce qu'il nous demande. Et surtout lorsqu'Allah nous interdit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On s'en écarte. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait une invocation très importante. Répétez-la. Allahumma inni as'aluk hubbak wa hubba من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Répétez. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. D'accord, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah, tabaraka wa ta'ala, il demandait, oh Allah, je te demande ton amour. Car le plus important, c'est qu'Allah, il t'aime. Parce que si Allah, il t'aime, est-ce que tu pourras aller en enfer? Non. D'accord. Et je te demande d'aimer ce que tu aimes. Et je te demande d'aimer toutes les bonnes choses qui vont me rapprocher de ton amour. Ensuite, on a dû relier. Allah me donne ce que j'ai besoin. Allah a créé de bonnes choses. Allah me donne la nourriture. La nourriture. Ici, il n'y a pas santé. Ici, il faut regarder ce qu'il y a ici. Hein. Mais c'est vrai. Allah, il nous donne la vie. Allah, il nous donne la santé. Allah. D'accord ? Allah a créé le monde, très bien. Je remercie Tabaraka wa ta'ala. Et n'oubliez pas les enfants, qu'Allah Azza wa Jal il nous a créé pour qu'on l'adore. Allah Tabaraka wa ta'ala il nous a créé pour une seule raison, pour qu'on l'adore. C'est pour cela qu'on l'aime, c'est pour cela qu'on lui obéit, c'est pour cela qu'on doit adorer Allah Azza wa Jal correctement. Et pour adorer Allah Azza wa Jal correctement, il faut suivre l'islam. L'islam, c'est la religion qu'Allah a choisie pour nous. C'est la religion de vérité. C'est la seule
religion qui est acceptée auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui suit l'islam, il est musulman. Et celui qui est musulman, il obéit à Allah Azza wa Jal. Et il s'écarte de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit. D'accord les enfants? Est-ce que c'est compris pour cette leçon? Oui.